Je suis Adrien Beaugiraud, j'ai 21 ans et je suis un ancien étudiant ISEFAC. J'ai intégré cette école en troisième année luxe parallèle. Alors aujourd'hui, la conférence s'est déroulée dans plusieurs thèmes. Donc dans un part, j'ai vu avec les étudiants quelles étaient leurs motivations pour le luxe, parce que c'est quand même intéressant de savoir que toute personne a un intérêt différent pour le luxe. Avec ISEFAC, avec les modules qu'ils vont faire, tous les projets de groupe, en fait, tout le monde va pouvoir acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour continuer dans le domaine du luxe qu'ils souhaitent. Alors, les conseils que je peux leur donner, c'est tout d'abord construire un réseau. Le réseau, c'est le plus important, le construire le plus tôt possible. Deuxième conseil, c'est ne pas s'y prendre trop tard, que ce soit pour une recherche de stage ou pour les projets. Cette semaine a commencé donc lundi. C'est une semaine du savoir-faire et du savoir-être. Donc nous avons rencontré des professionnels, des étudiants qui étaient enseignants à ISEFAC. Aujourd'hui, nous avons rencontré Adrien, qui était un ancien élève de ISEFAC, qui est maintenant aujourd'hui dans l'horlogerie et la joaillerie. Et il nous a fait parcourir son expérience. C'est intéressant d'être dans cette école parce qu'on voit qu'Adrien, il a un projet, il a un parcours. Et ça nous donne envie de continuer et d'aller de l'avant. Ça nous pousse à nous motiver pour plus tard et ça nous pousse aussi à se poser des questions. Et je pense qu'il a su répondre à nos attentes et à nos questions. Il nous a donné des conseils, notamment pour la recherche de stage de l'année prochaine, qu'il ne fallait pas s'y prendre trop tard et qu'il fallait vraiment faire une recherche active finalement et beaucoup pousser aussi avec le réseau, notamment sur LinkedIn.